Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars on va parler de choses importantes. Date de sortie, saison 11, donc date de fin de saison 10. Parler de l'événement de la fusée, parler de un peu tout ce qu'il y a eu pendant cette saison, qui a eu donc un peu d'influence sur cette fin éventuelle de saison 10. Toutes les infos, les dates et tout ça, tout ce qu'on sait je vais vous le dire. Donc les gars, vous savez très très bien que la saison va se terminer donc très bientôt, donc le 6 octobre, donc ça tombe un dimanche. Alors 6 octobre, on sait que cette saison va se finir un peu sur un jour bizarre, normalement c'est les jeudis, mais du coup on va surtout parler d'abord de tout ce qui a marqué cette saison 10. L'arrivée de la brute, début de saison, on s'était tous dit mais waouh c'est franchement génial, et en fait on avait été un peu perturbé par ça. On avait eu surtout l'arrivée de en fin de saison Moisty Palms à la place de Paradise Palms, puisqu'on avait eu une fusion entre Moisty Mir de l'époque et Paradise Palms d'aujourd'hui, avec également, et là c'était une grosse chose, on s'y attendait pas parce qu'on avait parlé de Stranger Things, de plein de choses en fin de saison précédente, on avait parlé d'un partenariat avec ça, le film avec le clown, et bien on avait eu surtout le partenariat avec Batman. Personne s'y attendait, on l'avait eu. Et du coup, cette saison 11 va bientôt débuter. On oublie un peu tout ce qui s'est passé saison 10. Et on va avoir de nombreux changements d'ailleurs sur la carte et sur tout ce qu'on connaît. Puisque la saison 11 risque d'être folle, les gars. Donc, le premier sujet sur lequel on va parler, c'est donc cette fameuse date du 6 octobre. Où est censée se finir la saison 10 et où est censée commencer la saison 11. Donc, c'est parti. Donc, comme je vous disais, les gars, on a cru que la saison 11 allait commencer le 6 octobre, puisque regardez, le compte à rebours qu'on a sur le pass de combat aujourd'hui indique dans tous les cas que ça se terminera le 6 octobre, sauf que donc les data mineurs, hein, Lucas et Yoshi, Hypex et compagnie, ChinaBR, plein de gros noms sur Twitter, eh bien ils indiquaient ça, mais ils ont aussi indiqué que un dimanche ça a jamais été le cas, ça a jamais commencé un dimanche la saison, n'importe quelle saison, que ce soit la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, eh bien du coup pourquoi la 11 commencerait comme ça. Donc habituellement c'est un jeudi, et donc moi les calculs que j'ai fait c'est que par exemple si le pass de combat se finit le 6, donc ça tombe un dimanche, il nous reste lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 4 jours, et cette saison les défis d'ultime effort ont 4 défis, ils n'ont pas par exemple entre guillemets 12 défis comme certaines saisons, donc du coup ça ferait 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, où on aurait les défis d'ultime effort jusqu'à jeudi, donc pour qu'on ait quelque chose à faire pendant ces 4 jours. Alors si ça s'avère être vrai, tant mieux pour moi, ça va être faux, c'est juste une info que j'ai trouvée comme ça au cas où. Donc l'événement Fortnite The End, donc cette fin de saison 10 s'appellera The End, puisque comme à chaque saison, on a un événement, et l'événement de cette saison, donc la fin, The End en anglais, c'est une espèce de compte à rebours qui est attendu par rapport à cette fusée qu'on a à Dusty Depot, sauf que ce compte à rebours, comme sur certaines saisons précédentes, on va pas la voir forcément par-dessus la fusée, on va la voir sur des télés dans le jeu. Alors des télés dans le jeu, il y en a plusieurs, il y en a par exemple au manoir de comment il s'appelle déjà, John Wick, excusez-moi, qui est à côté d'ailleurs de Moisty Palms maintenant. Il y a des télés, pour l'instant, elles ont ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire rien, elles ne captent rien. Mais on va avoir un compte à rebours à un moment qui va nous permettre de découvrir la date exacte de l'événement, et donc du coup concernant le contenu de l'événement, on a des informations qui ont fuité. Alors tenez-vous bien, ceux qui savent pas et ceux qui ne savent encore pas exactement ce qui va se passer, ça va se passer de la manière suivante. Les joueurs vont être tous sous l'effet d'un objet qui va les rendre invisibles. Tout simplement, on va être tous invisibles. Pourquoi ? Je pense que c'est pour pas qu'on soit tous amassés dans un coin, parce que je vais vous dire la suite, vous allez comprendre pourquoi. On va tous être empêchés de bouger. Donc imaginez si vous êtes 100 joueurs, et vous n'êtes pas invisible et vous pouvez pas bouger. Mais si vous êtes tous au même endroit, ça va faire un peu tâche. Pourquoi ? Puisqu'on va tous être téléportés hors de la map. Et je pense qu'on sera tous téléportés au même endroit, je pense. Ou en tout cas, au même endroit hors map, à peu près, qu'on puisse avoir une vision sur la map. Et je pense que cette chose un peu hors map, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'image, sera au niveau de Lucky et Happy Hamlet. Donc en dessous de Lucky, hors zone, entre le lobby, enfin l'île de départ, et Lucky. On va tous pendant cet événement être un peu comme l'événement de la saison 6, si je me trompe pas, ou la saison 5, le papillon, on a été téléporté hors map, et on a une espèce d'instance, comme pour le vote, pour le Thompson, etc. On va être hors map, sauf que si on pourrait bouger, et si on serait pas invisible, ça aurait fait tâche. Donc je pense que voilà, pour le décollage de la fusée, également un lien avec la fusée, et un lien avec cette saison, et surtout la fin de saison, puisque l'événement va se passer, je pense, couplé avec cette fusée. Donc, le fait qu'on soit téléporté hors zone et tout ça, ça va être couplé avec le départ de la fusée. Pour rappel, la construction de la fusée est finie. Je vous ai montré il y a quelques instants en image.
On a déjà maintenant tous les petits embouts, tous les petits tubes, tout a été fait. Cette fusée est prête à décoller. Donc du coup, les gars, elle est construite par le scientifique qui fait partie des 7, donc en description, c'est ce qu'on a. Et surtout, le décollage est prévu, donc, pour avoir surtout un impact très significatif, comme pour la saison 4. La précédente fusée avait eu un impact par rapport aux failles et tout ça, donc c'était assez chaud. On a eu un gros impact. Alors du coup, maintenant, la brute va disparaître. Vous avez bien vu sur les écrans que je vous ai montré en image que la brute a un virus, donc... Pour tout ce qu'il y avait eu comme problème lors de la saison 10, eh bien ça va disparaître, on n'aura plus de problème, puisque la saison 11 indique bien que justement c'est fini. On n'aura plus du tout d'infection, de brute, de tout ce que. Voilà, tout ce qui concerne la brute, c'est fini. Je pense que voilà, ça va être supprimé, on n'en parlera plus. Donc du coup les gars, une toute nouvelle carte, plein de nouveaux noms qui ont été découverts, 13 noms qui avaient été découverts en plein mois de septembre au début, indiquant qu'on aurait éventuellement un changement de carte. Franchement, cette saison, elle risque d'être ouf. La fin de saison 10, avec tous les événements, risque d'être ouf aussi. Donc voilà, les gars, en tout cas, toutes les infos que j'avais à vous apporter. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, code créateur Telmo-Lopez. N'oubliez pas de liker à max, de me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces événements, mais surtout de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.